Welcome to S7 Backyard Garden and More. Jodi a nou pral montre ou ki jan nou prepare terre a nan rez en bed sa. Le fini tout nou pral montre ou ki jan pou plante zonyon. Welcome to S7 Backyard Garden and More. Jodi a nou pral montre ou ki jan nou prepare terre a et nan rez bed sa et nou pral montre ou tout ki jan pou plante zonyon. Terre nous utiliser c'est terre ça qui est pit moist ça li rele garden soil all purpose et puis nous gagne terre ça qui est compost and manure ces trois terres ça nous va mélanger ensemble et dans l'autre vidéo nous gagne pour expliquer bon plus détail de terre et après ça nous va planter zone. On a nous fait une vie de terre avec mes nous on mélanger yo nous gagne pit moi ça dans ça nous gagne compost manure et nous gagne miracle grow on a mes nous on prend gel sous gagne pelle tout quand ou ca brasser la pelle s'ouvrir à mes ou ca faire la main. Donc, nous finissons à Kounia, nous allons planter des oignons, mais ce n'est pas là, non. C'est tomate calalou, c'est le riz que nous planter là. Mais nous devons préparer ça pour que les gens nous préparent. Mais c'est plus devant, nous allons planter des oignons. Nous allons tourner dans un moment. Là, c'est côté moi préparé déjà, moi planter salade, moi planter épinards, moi planter calogreen, moi planter en pile bagaille, moi planter carotte, moi planter green betterave, moi planter navet là. Et dans bord ça là, moi gè pour me planter bérégène, piment douce, mais kounya pou kolè pour me planter parce que Freddy a pou finale. Kounya nous pral planter zonyon. Nous allons planter les oignons là. Ou elle va planter les oignons en terre. Il suppose vraiment lâcher. Si vous avez un terre au là, nous allons coller ensemble. Dit, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment bon. On peut bien préparer pour les oignons. Si vous regardez, vous faites comme ça. Ouais, j'en liais. Ouais, j'en liais. C'est parce que moi, j'ai fait ça depuis la semaine passée. La pluie vient tomber sous le lit. Il faut venir comme ça. Mais puisque nous avons prêt pour planter les oignons, nous avons dit, virer la même parce que les oignons les mêmes faut être à lâche faut être à badi parce que l'on plante les oignons depuis tu es à li pas lâcher comme ça et les oignons les mêmes tes oignons pas besoin de côté pour l'exposer ça veut dire l'on plante li faut être vraiment lâche pour les oignons quand j'ai côté pour l'exposer pour qu'abord gros tes oignons et pendant nous planter ma plante les oignons là et en pis devant nous gagne de l'autre process encore pour nous faire. Pendant que les oignons ont grandi. Nous connaissons les oignons, c'est une bagaille. Végétable, nous utilisons en pile, nous faisons manger, dans en pile manger. Dans en pile dish, nous mettons les oignons. Et le gars, nous venons voir les oignons vraiment chers dans la maquette. Et ça fait les bons, les potents. Les nous-mêmes, nous plantons les oignons. Les oignons, nous ne pouvons pas les planter là. Ça a même son bec qui a trois différentes qualités d'oignons. Il y a des oignons blancs, il y a des oignons mauves là. Et puis, il y a des oignons jaune. Bon mauvais pour nous carré. Nous gagnons oignon mauve là, nous gagnons blanc, les filles nous gagnons jaune. Et lui même nous va planter. Et là nous va planter les oignons. Les oignons supposé planter lui de 4 à 6 feet parce qu'il faut bailler un petit faut bailler espace pour oignons lui même pour le cage un côté pour l'exposer. N'a comment qu'on y a j'en a fait lui. N'a mettre sous tête terre. Oui, nous mettons là, sous cette terre là. Nous mettons
on a différent espace là. On a mis là. On a un espace pour y un côté pour y exposer quoi y. On a mis là. Voilà, nous finissons de là, nous devons s'apporter. Nous plantons 6 pour nous montrer, après ça, nous allons finir. Et nous finissons de se montrer côté, nous finissons de planter. Mais là, nous finissons 6 là. Qu'on y a, qui j'en fais, avec main, vous pesez l'entrée. Pas trop fort, nous, tout petit. Vous pesez l'entrée avec main. Vous pesez l'entrée, qu'on y a un petit, tout petit, sous le. Dans le pays chaleur, il y a bon planté, dans le mois de décembre, novembre, décembre. Dans l'époque ça la kounia gen moun ki gen tan gezon yo bon moun ki nan époque ki nan zone côté ki chaud tout temps all year round ki chaud mais là nan pays froid dit pour moi même et dans l'époque ça yo et tan pou les température en bas zéro moins que 30 là fin pas presque fin dans deux semaines avant qu'on ait de température ça yo pralé laisse ali bon zone parce que zone yo pas remettre trop chaleur mais là mettre le nan terre depuis kounia distance qu'on y a pour commencer à faire chaud. Zon yon ap gete fin pran mam ni an bate a kounya ou pa gen problème. Mais l'on plante li on janta, ki sa vin rive, zon yon a kounya li vin jwenn trop chaleur avant même gete ap grandi ap expose an bate a, li gete kounya vin ap fè grain. Et depuis la fè grain nan tout, ou met bliye sa li pa grandi encore. Et ça fait le bon l'on a pays Freddy, nan époque sa yo c'est bon époque pour planter. Pour ka gete jwenn bon ti température ki pa ko chaud en pile. Et bien, on a tourné, et nous finissons planter net pour nous montrer côté nous finissons. Nous finissons planter zonyon yo là, ça c'est côté nous planter zonyon yo. Et nous finissons. Et nous voulons dire tout le monde tout, ouais, pendant que je prépare la terre, et moi je planter zonyon yo, nous voulons mettre masse. Dans la zone de la caille, nous avons un pile allergie. Et ça fait l'heure, dans l'époque, ça a l'heure, et puis le bois a fleuri. Il est toujours bon si on souffre d'allergie, pour le allergie. C'est toujours bon mettre masque qui a aidé avec allergie à des oa. Et bien c'est ça, c'est tout ça nous dire pour aujourd'hui. Et bon Dieu bénis, on a une autre vidéo encore.